Bonsoir, je suis Bob Lennon. Ah, et bienvenue, bienvenue dans Far Cry. Oh merde, j'ai activé Uplay, j'aurais jamais dû. Bonsoir, Fanta. Salut, c'est Fant, tu roules en pick-up et j'ai la nuque longue également. Oh là là. Et bienvenue sur Fantasy Games, la suite de l'aventure. Aujourd'hui, nous allons tuer du redneck, du cultolique. Exactement, du cultolique à fond et on repart directement dans une nouvelle session. Hein. On s'était arrêté la dernière fois après avoir capturé, bien évidemment, le bankbus de Donald Trump. Enfin, voilà quoi, c'était pour ça. Voilà. Avec un clone de Mike McConaughey cultolique. C'est ça, moi j'attends le moment où on va affronter Macaulay Culkin. Oh, en fait c'est à ça. Oh mais ouais, mais il serait tellement mieux Macaulay Culkin. Mais oui, mais non, mais en fait, voilà, c'est ça, le grand prêtre, là, le raïs, là, c'est Macaulay Culkin. Mais tu sais, après toute la débandade qui a été... Après la drogue. Exactement. Alors j'ai de nouvelles armes, chers amis, parce que j'ai compris certains systèmes ici présents, notamment avec le Fanfan, il est là, regarde-moi ce véhicule. Il respire les États-Unis. Oh là là, et tu as réussi à péter une vitre encore. Ah bah oui, bah toujours, regarde, moi j'y vais à la batte de baseball. T'en fais voir. Nique la vitre. Ah non, elle est là, la vitre. Je croyais qu'il manquait une vitre. Non, tu vois, j'ai pété la vitre. Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, là il y a... Qu'est-ce qui se passe? Où ça? Bah, j'équilibre les vitres. Ah d'accord, c'est toi qui as tiré, putain. Moi je cherchais d'où venait le coup de feu, tu sais, je t'ai paniqué. J'étais là, où ça? Oh putain, le marchand. Non, bon, d'accord, tu les as mis en panique la plus totale. Ouais, mais attends, on est potes. Oh. Et la plus absolue, c'est pas grave. Wanted Sinner, il y a des photos de moi. Ça panique, hein. Ça panique fort, ça panique fort. Arrêtez vos conneries. Alors ici par contre, mon cher Fanfan, il y a une quête. Viens. On nous l'a dit, hein, cher. Oh dis donc, super. Parle, attention. Vous savez ce qui manque à cette ville? Des couilles. Bam! Je suis très sérieux. Le festival annuel de testicules de Falls End est une vieille tradition. Ah oui, on avait vu le panneau. Le festival, comme on l'appelle. C'est l'occasion pour la communauté de se réunir pour profiter d'un de ses plaisirs. Gober du caviar de cow-boy. Cette ville a bien besoin d'un boost moral. Et si vous avez pas le visage illuminé en vous goinfrant d'huîtres des rocheuses, alors moi je sais plus quoi faire. Oh putain. C'est que le festival a été annulé à cause de cette foutue secte. Mais il est hors de question que je sois le premier cuistot à pas servir de huevos colorados et une tranche de bonheur. On peut le faire, mais avant tout, il faut qu'on récupère le matériel du festival. C'est un gamin du nom de Kenny qui les a rangés dans la vieille grange. Je commence les préparatifs pendant que vous allez me chercher ça. Ouais, comment ça? Vas-y, castre ton chien. C'est la meilleure quête pour Fantasy Games. Le festival. Oh bah super. Eh bah mon cher Fanfan, il faut sauver le festival. T'entends ça? Hein? Si c'est dit pas la misère la plus absolue. Bon, eh bah écoute. Contre la maltraitance animale. Et ça, c'est ça. Regarde, Testicle Festival, hein, c'était là-bas. Eh bah écoute, il y a des tas de trucs de gameplay que j'ai compris, mon cher Fanfan. Viens voir par exemple, avant de parler à ce glandu. Approche-toi de la boutique de magasin de voiture. Ok. Et tu fais, viens là. Voilà. Approche-toi de la boutique de magasin de voiture et appuie sur R. Si tu appuies sur R pour ouvrir la boutique, tu peux donc voir tout ce qui est disponible. Alors bien sûr, tu peux vendre le matos que tu as récupéré sur la route, les pots de bait, les cartes, les trucs comme ça. Donc vente rapide, ça fait 715$, c'est vendu, merci des bisous. Tu peux tout vendre, hein, te fatigue pas. Et enfin... Munition, je vais en prendre un max. Voilà, va dans le garage avant d'acheter quoi que ce soit, va dans le garage. Et tu sais, nous au début on était baisés, on croyait dans le garage il y avait disponible que genre 5 véhicules et les trucs ultra personnalisés. Oh mais putain, mais c'est chéri, fais-moi peur. Ouais. Mais oui, non, voilà, mais il y a les onglets au-dessus, en haut à gauche, regarde. Onglet voiture, oui. Tu peux avoir des voitures simples à 1000$, des voitures plutôt faciles, tu vois. Des vraies voitures qui déchirent un petit peu. Oh là là, et j'en ai une gratos super bien. Ah bon? Oui. Ah oui, parce que moi j'ai tous les points de la mort. Ah, moi j'ai muscle Dob Kunti aussi, en stock. Moi j'ai celle-là, elle est plutôt sympathique. Mais regarde, pour 3500$, on a le Bootlegger qui est une voiture avec une Gatling dessus. Et ça, c'est quand même avantageux. Oh là là là. On peut aussi aller, regarde, dans les quads. Les quads, il y a un quad Polaris RZ. Regarde ce petit quad, ce caddie de golf. Mais il est énorme, et en plus il y a deux places. Mais okay, oui, voilà, t'as vu, si c'est pas la classe un petit peu. Chez les camions, bien sûr, il y a les camionnettes, les pick-up et tout ce qui va bien. Avec en bas t'as la Mystery Machine hein, de Scooby-Doo. Et bien sûr t'as toutes les camionnettes qui sont américaines avec les Gatling dessus à deux places qu'il va falloir qu'on réussisse à se choper à un moment avec quelqu'un dans cette ville. Et dans les camions on peut s'acheter un tracteur. Et deux, on peut invoquer le Widowmaker. Et on peut même le personnaliser, mon cher Fantas. Tu fais clic droit dessus, tu peux sélectionner les objets que tu veux mettre dedans en fait.
Donc j'ai pas tous les objets, mais d'accord. Je vais équiper la figurine Hawaï, c'est pour ça. Et ça marche aussi pour les armes. C'est-à-dire que tous les objets que t'as ramassés dans le jeu sont débloqués, t'as pas besoin de les acheter, comme dans les anciens Far Cry. Mais tu peux les custom en mettant des viseurs, des trucs comme ça. Ce qui fait, mon cher Frantac, regarde mon flingue. Regarde ce pistolet, quand tu seras sorti. Regarde ce flingue. Mais putain. Oh là 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 là. Il y avait... Attends, c'était dans les flingues que t'as trouvé ça? Oui. Non mais par contre, les flingues, c'est l'autre magasin, c'est le magasin en face. Ah bah j'y vais. Et j'ai une bague de baseball en titane, et j'ai un arc avec un viseur pointeur laser. Il est énorme. Et oui. Alors... Et oui, Jamy. Du coup, pénètre. Voilà, vas-y, boutique. Du coup, dans boutique, je tu vas dans armes. Et là, tu choisis ton type d'arme. Je vais changer de vêtements, parce que j'ai vu mon look quand même. Bien sûr, bien sûr. Je change un peu. Il me semble que tes vêtements, tu peux encore les custom. Mais... Et du coup, quand tu vas dans les armes, mon cher fanfan, ne t'arrête pas aux étoiles. Les étoiles, c'est les trucs spéciaux, tu vois. C'est pour ça, on s'en fout. Moi, je me dis, voilà, il y a la batte en aluminium, la batte à clous, il y a le cest. Ou le point américain, hein. Moi j'appelle ça un ceste, mais bon, c'est si tu veux. Il y a le prestige. Et l'inceste, blanc. C'est mal. Oui, non, oui, bien sûr. Par contre, cher Fanfan, va dans les armes de poing, les armes de corps à corps, les armes de corps à corps, et regarde la dernière. Elle est parfaite, ça, pour le Lennon. Parce que moi, je me suis battu comme Rambo avec une pagaie, et là, c'est une pagaie, c'est marqué bouin dessus. Donc, moi, ça m'excite. Moi, ça m'excite. Alors, casquette, on va aller virer cette casquette. Dans les pistolets, oh, vachement. Tout ce que tu as ramassé est disponible, et si tu as la version préco comme nous, hein, nous, espèce de gros Richard que nous sommes, tu as le 44 Magnum garanti. Et parmi les vêtements, je me demande si tu as des vêtements customisables. Non, tu peux juste les équiper, d'accord, c'est pas de custom particulier. Oh, je l'aime bien celle-là. Elle est moins sexy, mais elle est classe. Je vais pas mettre 1800 balles dans un jean quand même. Putain, mais ça moi, je... Je vais te dire oui, hein, le t-shirt de Raïs. Ah, bien sûr, les costumes où ça montre du boobs, automatiquement, c'est les plus chers. Oh là 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 là, ça c'est classe. Ah, la licorne rose, qualitative mon gars, qualitative. Attends, moi je vais acheter ça déjà. 200$, allez, ça vaut rien. Bah du coup, est-ce que je peux avoir un jean, genre un jean normal, plutôt que le shorty? Omega. Ah bah oui, ça c'est les tenues de Far Cry Blood Dragon. Voilà, forcément. Dans le let's play et sur la chaîne. Tout à fait. En placement de produit. Exactement, t'as du fait bien. Et une bien. Carte Xbox One, c'est caché dans cette vidéo. La totale. C'est renvoie ce code sur Twitter pour gagner. Non, je déconne. Non, mais le pire, c'est que ça existe sur YouTube. C'était le thème de ma vidéo qui cause toujours aujourd'hui. C'était assez hallucinant. Putain. Alors bon, ça coûte cher, mais en même temps, je pue le style. Donc j'ai pris ce pantalon, je suis un fou. Tu peux changer la coiffure de coupe de cheveux à loisir, donc ça, c'est cool. Voilà, casquette. Oh là là, Hotline Miami. Oh la vache. Oh, le casque de moto Hotline Miami, quoi. Et enfin des gants. Oh, il y a des gants spécifiques. Oh, il y a les bagouses. Oh, les bagouses, mon gars. Oh, les chevalières. Oh, ça coûte tellement cher. Il y a une pagaie qui traîne ici. Ah, ça tombe bien, j'avais pas d'armes de corps à corps. Très bien. T'as regardé les armes? Parce que tu peux custom les armes que tu as déjà. Ouais, j'ai regardé, ouais. Non, mais tu peux rajouter... Ah, j'avais pas vu que je pouvais les custom. Ouais, c'est ça, tu peux rajouter des viseurs et tout. Par exemple, va dans les armes de poing, c'est-à-dire les flingues. Les flingues normaux, quoi. Ouais, voilà. Le flingue que j'ai là, va je fais un tout clic en bas, tout en bas. Tu fais clic gauche ou clic droit, je crois que c'est clic droit. Et en fait, il va te demander où est-ce que tu veux l'équiper dans oh, ton putain, dans le bout d'aventure. Le prix du. Des améliorations ouais, non, de viseur, mal, oui, mais t'es ouais, pas obligé. Ouais, quand même. Une fois que t'as fait, en fait, vas-y, je veux qu'elle soit là, regarde ce que je vais essayer. Voilà, tu vois, en faisant un clic droit sur une arme que tu ne possèdes pas, il te demande dans quel emplacement d'inventaire tu veux le placer. C'est ça, en fait. Et il est gratuit. Si tu l'as ramassé et jeté. Il est gratuit, tu comprends ce que je veux dire? T'as même pas besoin de l'acheter, le truc. Donc ça veut dire qu'il faut ramasser toutes les armes, puis les jeter si jamais ça ne nous intéresse pas. Mais ah, surtout d'accord, ne pas paniquer. C'est pour ça que j'ai celle-là, d'accord. Okay, surtout ne pas paniquer, mon cher Fanfan. Mais j'en ai plein, en fait. Attends. Exactement. Je vais parler à ce connard là-bas, il a un indice à donner. Je vous remets. Un des résistants s'est barricadé dans le réservoir d'irrigation. Oh, bah du coup, ouais, purée. La secte lui tire dessus depuis l'autre rive. Allez, est-ce que comment je fais pour l'équiper? Crochetage à distance, ouvrir la carte. Oh mon dieu, ok, très bien. Oh là là. Elle est classe. Hein. Oh là 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 là. Oh là 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 là. On y va. Ah, alors, allez, vachement. On va couper les couilles des taureaux.
Ah oui, c'est vrai, il faut qu'on fasse ça. Il faut qu'on fasse aussi le bon samaritain et qu'on aille sauver une prise d'otage. Il y a le Testival, convoi armé. Testival. Oui, j'ai Testival. Testival. Tout à fait. Aussi, il faut savoir, chers amis, que s'il y a des trucs qu'on a déjà fait, mais qu'on devra refaire, rassurez-vous, c'est parce que j'ai paumé ma sauvegarde à cause d'un bug entre l'épisode 4, je crois, c'était 4 avec le... Oui, c'est ça, 4 et 5. En fait, c'est la deuxième fois qu'on tourne le 5. Il y a eu une cinématique à sauter et une quête hyper importante et Bob a refait le jeu. Exactement, histoire de retrouver. Là, il revient plus qu'il est que jamais. Le gars, il a refait le Vietnam. Exact, le truc qui m'inquiète, donc ça avait bugué, mais le truc qui m'inquiète, c'est que quand j'ai quitté le jeu, en sauvegardant comme un ouf, la quête était en train de se lancer. Mais là, elle s'est pas la relancée. Donc je me dis, bon, bah écoute, on va jouer et puis on verra bien. Et on verra bien. On verra bien. Après tout, si le jeu est bugué, c'est pas de ma faute, madame le juge. Moi, j'aurais fait ce que j'ai pu. Exact. Après, c'est peut-être une quête facultative. Alors, je coupe je coupe la sono. On va y aller à donf, on va y aller à donf. Alors, du coup, n'oublions pas de libérer les otages, n'oublions pas de faire tout ce qu'on peut. J'ai aussi appris à me servir des... parce que comme j'ai dû refaire le jeu, tu vois, mon cher enfant, j'ai aussi appris... C'est pour ça que j'ai découvert la customisation des armes et tout ça. J'ai aussi appris à me servir... Oh, attends, freine ! Là. La tour 2. Il y a de la drogue ici. Attends, une seconde, que se passe-t-il ? Ah putain! Ah la vache, mon cher Pampan! Moi je suis complètement drogué, on dirait. Ah! Grenade! Ah putain! Ok, ils nous ont drogué. Tout va bien, c'était l'événement. C'était l'événement qui avait bugué la dernière fois. Là j'espère que ça passe. Allons-y. On ne touche à rien, mon cher Fanfa. Les mains oui, hors du. Touche à rien. Les mains hors du pas clavier. Impeccable. Donc on a été capturé par John Seed avec des balles de graisse. Et on sait pas ce que c'est les balles de graisse. Non. Celle-là. N'approuve pas vraiment digne. Mets-toi 500 mg de morphine dans la gueule et puis tu viendras si on est digne. La purification commence ce soir. Ils ont des balles à la morphine quand même. C'est sec. Alors seulement, nous pourrons voir la lumière divine. Quelqu'un a pissé dans l'eau quand même. Et franchir la porte. Je crois que j'ai avalé une algue. De l'Éden. Non, pas celle-là. Bonjour, monsieur. Celle-là n'est pas pure. Oh merde! Hey! J'ai eu du sexe avant le mariage, c'est mon droit, on est en 2018! La purification t'amuse, John? Non, je sais. Tu dois les aimer, John. Ne laisse pas ton péché t'aveugler. Amène-moi celle-là. Je vous ai beaucoup aimé dans l'Interstellar. Oh là là, c'est Raël. Le cultolique, c'est Joseph. Macaulay Culkin. En dépit de tous tes péchés, le salut reste à ta portée. Tu n'es pas là par hasard, ni par chance. Tu es là par la volonté de Dieu. C'est lui qui t'offre ce don. La suite dépend entièrement de toi. Tu peux accepter ce cadeau. Ou tu peux le rejeter. Celle-ci va réussir son expiation. Ou la porte de l'Éden te sera fermée, John. Oui, Joseph. Eh bien, dis donc. Putain, Jésus, il les tient secs quand même. Oh là là. Tu te confesseras tous les péchés que tu as commis, même s'ils sont véniels, des plus bénins. Je t'y aiderai.
Nous verrons si tu es digne. Je sais pas ce que Véniel veut dire, c'est un péché? Non, s'il vous plaît, j'ai besoin de réponse! Non, le petit Larousse illustré! Non, non, vous pouvez pas m'emmener dans le pick-up! Gars qui s'énerve pour rien! Vous devez me dire! Oh merde! Aïe, 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 me touche mais pas! Mais si on se confesse, si on se confesse sans attendre, tout ira bien, non? Non, ce sera pire. Pourquoi? Parce qu'une confession sans douleur n'a aucune valeur. Tu cries ton péché, puis tu le portes à fleur de peau avant que John Seed ne te l'arrache. C'est vraiment magnifique. Putain de taré! Oh! Oh fuck! On s'évade! Putain, j'aime ce genre de sauvetage d'otage, tu sais, quand t'enfonces le camion. Le mec, il est pire que Samuel L. Jackson dans Pulp Fiction. C'est clair. Et tu sauras que l'éternel est en jeu. C'est ça. C'est le prêtre dans Call of Juarez. Allez. Ah. Ah, d'accord. Et tu auras pas. Je n'apporte pas la paix, mais l'épée, dit l'épée. Le Seigneur. Voilà. T'éloigne pas. On a quand même pas fait ça pour te perdre maintenant. Et tu sais, ça gêne pas Putain, le seul prêtre noir dans le jeu, le seul gentil prêtre noir, c'est quand même un criminel. Hein. Donc c'est que... ça parle pas. Oh la vache, c'est la guerre! C'est la guerre, mon cher Fantin, c'est la guerre! J'ai l'arc, je suis dans la forêt. Je te suis, je couvre. Est-ce que tu peux les spotter? Attends, je les spot. Comment tu fais? J'ai les jumelles, mon cher Fanfan, ils sont spotted maintenant. Ah oui, putain. Il y en a un que j'ai pas spoté, par contre. Ouf, ça, enfoiré! Ah merde, mais c'est pas possible! Tac! Dans la tête! J'étais pas prêt, j'ai besoin Tac! Dans la tête! Ah, j'ai pas réussi à l'avoir. J'ai bien que tu me raises, Bob, en fait. Ah merde, je suis vraiment désolé, j'arrive tout de suite. Je suis à côté de toi. Ouais, je te. Ah putain, t'es là! T'es là, t'es là, t'es là, t'es là! Allez, debout, 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 debout! J'ai besoin de toi, merci. John! J'arrive. Hop, on est dedans, machin. Discret, reste discret. Le prêtre, il y va à la baston, mais il est fou. Tac, la flèche dans la tête. Merde. Attends. Cesse le feu. Pourquoi? On essaie de les semer 5 secondes. Ah merde, les semer, et le prêtre, il est... Il survivra. Il est noir, on est dans Hollywood. Il ne mourra que lorsque le scénario l'exigera. C'est surtout qu'en fait, que s'il continue de bouger comme ça, je peux pas leur mettre des flèches. Putain, mais il est... Le mec, je lui ai mis un chargeur et il est pas mort. Tac, bien joué. Il en reste un. Attends, j'ai. Deux. Grenade. Oh. Go, la pagaie. La pagaie. Bam, la pagaie. Et j'apporterai la pagaie, car je suis l'éternel, et la punition de la pagaie... Blem. Ah, souka. Tiens, tout à la pagaie, mon gars. Alors, ça rame. Excellent. On les a eu. Respire. Hésite pas à ramasser toutes les armes juste par acquis de conscience, ouais, au cas où tu les ouais, ai pas. Genre les fusils à pompe, les trucs comme ça, même si tu t'en sers pas, tu vois, tu reprends les anciennes. Ouais. Voilà. On sait jamais. Ok, très bien. Bon, paniquons pas. Cri de ralliement. Blablabla. Très bien. Là, il y a une Bible. Et c'est moi où le prêtre, il a rangé son flingue dans sa Bible. Enfin. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Donc c'est une fausse Bible. Il a pris 2-3 paroles pour faire style, mais en fait. En fait, il a juste les 3 premières pages, quoi. En fait, c'est Genèse 1.0, puis c'est tout, quoi. Le reste. Il ne t'abandonnera jamais. Le reste, c'est la beublie. Enfin, la bleubie. C'est pas une Bible, c'est une bleubie. Ils ont des armes. Ah, regarde, ces snipers ont des armes spécifiques. Ah, un petit Uzi. Très bien. Voilà, simple fait de t'en équiper. Excellent.
Déjà, ça devrait offrir une amélioration gratos. Je me demande si ça offre l'amélioration gratos, donc je vais la garder. On essaie jamais. C'est bon même d'avoir commencé. Ouais, il est super cet arc. C'est le tien ? Oui, c'est mon arc, ouais. Mais t'en fais pas, il est gratos. Enfin, maintenant que je l'ai débloqué, tu vois, il est gratos. Et en plus, il y a une amélioration dessus, donc tu vas pouvoir te la jouer discrète un peu. Enfin. Super. Okay. Très bien. Tu as récupéré l'usine ? Ouais, parlez au pasteur. Attends, juste avant, je fais un zoom avant. Ouais, il y a un camion, ok. Ok, c'est bon, parle au pasteur, on se casse. Viens voir, j'ai un plan. Il a un plan. J'ai su qu'il y avait un problème quand on n'a pas réussi à te joindre. Je suis content que le Seigneur ne pointe pas ça sur non, mais... moi. Je t'ai vu faire, petit salopio. Comme je disais donc, j'ai su qu'il y avait un problème quand on n'a pas réussi à te joindre. Je suis content que le Seigneur m'ait orienté dans la bonne direction. On t'a retrouvé, mais d'autres gens ont encore besoin de notre aide. La secte emmène le reste des prisonniers un peu plus loin. Ils ont merle avec eux, le temps presse. Prends ce que tu peux et va les sauver. Je vais appeler. C'est une question de vie ou de mort. Allez, laisse-moi finir. Mais non, comme mais... je merde. Disais donc... Ah. Putain, il est casse-couille. Je vais appeler des hommes à nous. On aura besoin d'eux si on veut réussir. Voilà, c'est tout ce qu'il voulait dire. Super, bravo, génial. On doit okay. Le sauver. On ne peut pas laisser merde. Fonce. Et surtout, prends les cailloux sur la droite et monte. Monte, mets-toi en hauteur avec l'arc. Reste accroupi et mets des têtes. Je vais les détourner. On va essayer. On fait ce que tu dis. En fait, tu peux monter plus haut. Je sais pas où ils sont. Déjà, on peut les libérer, eux. Bonne idée, vas-y. Bien joué. Merci, t'es avec nous. Merci encore. Impeccable. Go. La zipline. Il y a une tyrolienne là-bas. Vas-y, zipline. Zip, je te regarde, c'est la classe. Oh là là, ce film d'action incroyable. Putain. Merde, il est avec nous. Sa carpette, sa carpette. Non, tu peux pas passer par le pont, Fanfan! Putain, non, putain! J'ai pas compris. Mais debout, il y a du mortier en fait! Ah d'accord, bon, par en nous. On est foutu sur. Attends, arrière, regarde mon cher Fanfan, regarde. Tu vois, il y a un tir de mortier, ça pète en ciel. Et voilà, regarde. Tu vas faire sa carpette, okay. Sa carpette bombe. Viens, planque-toi. Mets-toi dans la caverne. T'aimes le risque, toi. T'aimes le risque, ok. Bien joué. Ah bien, je comprends. Oh putain. Fou tout. C'était proche. Ici. C'est là, hein. Putain, il déconne zéro, okay. Quand même. Il vais. YOLO. Go. Shit. Non, monte. Il faut absolument que tu restes baissé et que tu mettes une flèche à la tête au mortier. Tu le vois de là? Bien vu. Bravo. Non mais bravo, j'ai rien dit. Félicitations mon cher Fanfan, je là pour le coup, j'oserais pas dire que ton efficacité m'étonne, mais elle est. C'est bon. Officier, on a envoyé un hélico pour te chercher. Tiens bon jusqu'à ce qu'il arrive. Parfait. Moi je vais tirer sur les résistants, attends. Ok, survivez. Attends, regarde, mortier. Merde, ça... Oh, le mortier, ça a touché tout le monde en prédiction. Je savais même pas qu'il y aurait des gens. Garde tes jumelles en fait. Garde tes jumelles et vise le pont. D'accord. Marque-les, ouais. Là, je vois. Impeccable. Lui, il est mort. Attention. Fonf, fils de pute. Bouffe ça. Regarde, il se barre. Vas-y, continue à marquer ces enfoirés. Là, ils arrivent. Par 3. Un peu plus court. Ils sont sur le pont ou pas encore? Pas encore.
Ouais, je vois. Attention. Il y en a un qui arrive sur le pont. C'est bon là. C'est bon ça. C'est bon ça, merci Fanfan. Ça, ça spot ça. Spot le chien. Oh là 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 là. Oh, ça marche très bien. Ça marche très très bien. Oh, il y en a d'autres. Ouais. Bien vu. Ils sont déjà sur le pont. Bouffe ta pilule. J'ai mis la même à ta mère. Oh merde. Par contre, okay. Là, j'ai besoin que tu les, ouais. Derrière nous. Merde. Ah, derrière nous, je me suis fait défoncer. Attention, Fanfan. Quelqu'un un. Il a. Voilà, c'est bon. Une pagaie. Ah putain. Il avait une pagaie. Ah, merci. Phew. Merci beaucoup. Oh là là. J'ai été très récompensé pour ça. Écoute. Oh merde, il est juste là. Je compte sur toi. Alors on a survécu. Lâche les sauces. C'est bien ça. C'est bon, je pense qu'ils ont son saucé. Faut y aller mon cher Fanfan. C'est mortier, c'est quoi ça? Ça c'est un steel pipe. Là il y a des cadavres, là il y a des gens, on les a sauvés, eux on est bien, on se casse. On se casse. Dans l'hélico. Tiens. Et l'éternel sera très clair. Le 44 Magnum expira toutes tes fautes. Voilà, très bien. Go, 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 comment on monte. Go, 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 décolle. Tu nous as vraiment sauvé la vie. Va savoir ce que ces enfoirés comptaient faire de nous. Nous servir pour le festival. Tu vois ce que nous devons affronter ici. Ils nous embarquent contre notre gré, officier. Je sais que tu cherches ton collègue, mais Folzen n'est qu'un fragment de notre communauté, et nous avons tous besoin de toi. Quand nous serons suffisamment forts, nous libérerons tous les prisonniers. C'est une promesse. Eh ben putain. Phew. Eh ben ça valait le coup. Et ils ont même un aigle américain. Regardez, il est tellement libre cet aigle. Oh là un pigargue. Là. Un pigargue. Le pigargue. Allez, recharge tout. Merci infiniment en tout cas pour le spotting. Oui, parce que moi j'ai la lumière dans mon écran et en fait j'y vois rien du tout. Donc je t'avoue que j'ai tiré un peu au pif là où il y avait du triangle rouge. Hein. J'ai pas réfléchi. Attends, où est-ce qu'on est? Fait voir la map. C'est la différence entre le bon et le mauvais tireur. Mon tireur, il voit un triangle rouge. Oh, il tire. Spot le chien, personne ne comprendra jamais la référence. Victoire. Phew. Eh ben putain. Eh ben écoute, victoire mon cher Fanfan, on est plutôt bien, hein. Ça valait le coup, je suis plutôt ouais. Content. Et du coup ça n'a pas bugué, on est très content. Ouais, ça c'est super ça. Du coup il va falloir qu'on se tape quand même le convoi armé ou le festival, c'est au choix. On a aussi une ferme sur la route. Et il y a peut-être une cache que j'ai pas refaite mais qu'on a manqué. Boutique de bateau, il y a ça, putain. Portail de sécurité, là il y a un truc tout en haut de cette vallée, là aussi. Là il y a un magasin d'hélicoptères, putain, un magasin. Tu peux embaucher des gens si jamais c'est pas déjà fait. Ouais. D'ailleurs on pourrait les recruter aussi. Il y a des silos, putain, il y a tellement de choses à faire, c'est chaud. Ouais, il y a même un, comment ça s'appelle, tu sais, les crop circles. Les cercles de... Ah, trop de fort. Juste à droite de l'église. Ah oui, c'est vrai. Juste à droite de l'église Lamb of God, lol. Bon. Oui. Tout va bien. Alors, c'est la guerre de partout, mon cher Fanfan. Tu regardes la map et dis-moi s'il y a quelque chose qui te titille. Comment ça, c'est la guerre de partout? En fait, de partout, il y a des missions dans la région dans laquelle on se trouve. Moi, je parle de la région de John, bien évidemment, là où on se trouve. Et c'est quoi? C'est les points bleus qu'on veut ou c'est... Bah non, il y a des spots, des étoiles, il y a des missions. En fait, moi, il y a un truc qui m'intéresse, mon cher Fanfan. Je suis curieux, je sais pas toi. Hélico. Je sais pas si t'es curieux, mais j'ai mis un marqueur là à gauche de la map, je sais pas si tu le vois. Mais à gauche de là où on se trouve, il y a une espèce de petit truc dans le... Tu sais, il est encore couvert de gris, mais il y a une espèce de petite base là, en haut de la montagne. Oui, et je un suis genre dans... de base secrète extraterrestre. Voilà, et je suis dans la curiosité. On peut couper en ligne droite vers la rivière parce qu'il y a un pont, je sais pas si tu marques. Ouais.
etc. Tout à fait. Donc on peut se choper. Tout en bas, ouais. J'ai la moto là. En buggy, ouais, tu fonces et c'est bon, ouais. Monte, monte, je t'en prie. Allez, c'est parti, mon gars. Ah bah non, mais attends, attends, mais on est trop con. Demi-tour, demi-tour. Ouais. Mais oui, mais. Ah, y'a l'hélico. Ah bah oui. Mais oui. Et bah oui, madame le juge. Ah bah voilà. Ok. Du coup c'est pratique. Ouais, en plus on voit très bien où on doit aller. Et du coup si c'est inutile, et bah on s'en fout. Ce serait de nous prendre une seconde. Ouais. On dirait que t'as un peu de mal quoi. Non, c'est je fais exprès. Par contre je ne sais pas où je vais. Là il y a le magasin de bateaux, alors attends, je freine un coup. Okay. Tout va bien? J'ai entendu ce qui s'était passé. Heureusement que Jérôme est là, hein. T'as fait du beau boulot en évitant à ces gens la purification de John. Bon, il va être furieux, mais il peut bien aller se faire foutre. Continue comme ça. Terminé. Je suis totalement d'accord. Donc là c'était là où on était, en ouais, fait. Ouais, c'est tu as marqué, là, c'est sur la map, 500 mètres. Okay, c'est tout droit, ouais, ok, je vois. Attends, j'essaie juste de rester proche du sol pour voir s'il n'y a pas des trucs qui se débloquent, tu sais, ou des choses qu'on pourrait manquer, je voudrais éviter, quoi. À moins que ça se trouve, c'est un lieu qui n'est fait que pour la purification, mais ça me surprendrait. Tu vois, il y a une tour radio... Ouais, peut-être il y a... Bah, s'il y a une tour radio, il y a peut-être un truc à débloquer. Oulala, attends, porte de John, une seconde. T'as des jumelles? Cible-moi tous, voilà, parfait. Ok, alors tu vois, c'est les gens qui vont déclencher l'alerte et ils vont exécuter les otages. Je propose qu'on se pose. Et il y a des chiens, hein, je sais pas si t'as vu. Ouais. Et un sniper. Je propose qu'on se pose et qu'on le fasse discret celui-là. Je sais pas ce que t'en penses, mais. Ouais, c'est dommage que j'ai pas d'arc sur moi, mais. T'as pas l'arc? Non. J'ai alors, une grosse mitrailleuse de la mort. On va le jouer tout à la. Ah, et merde, ils nous ont vu. Non, oh, l'hélico nous a vu. En face, ouais. Ok, très bien. On va s'approcher. Je vais l'éloigner en fait pour pas qu'il déclenche l'alerte avec les autres connards. Il va s'approcher de par nous. Par contre, je pense qu'on a fait le tour de la. Ouais, je pense aussi. Mais. On baisse le sniper et peut-être déjà avec son flingue, après on est bien. Il va venir. Oh putain! Oh la vache, il y a des armes! Attends. Vise-le. Moi j'ai envie de sauter, moi. Non, vise le pilote! Vas-y! Mais j'ai un putain de flingue de merde! Eh ben bonne chance! Stable! Bien joué! Ok, ouais, je propose. Je propose qu'on descende de toute façon, on saute parachute. Hop, parachute. 1, 2, 3. Wingsuit. Moi j'ai que le parachute dans cette version. Oh l'hélico! L'hélico il va sur la base! Oh putain! Oh, c'est pas discret! Je crois que non. Ça les a pas paniqués. Y'a d'autres gens, ils ont l'air de tirer là-bas. Ça a pas l'air d'avoir paniqué plus que ça. Ah, attention parce qu'il y a un mec qui est balèze, hein, tu feras attention. Ouais, je vois. Je crois qu'il faut leur tirer bien dans la tête. Ouais. C'est F, hein, le corps à corps. Hein. Ouais. Et merde, il a appelé des renforts. Moi, bon, j'ai pris son flingue parce qu'il sent pas mieux. Il m'a démonté. The fuck. Grenade. Montre-moi ce que c'est bon, ma fille. Viens avec la bagnole. Double grenade. C'est bon, je l'ai eu. Tire à la tête, il est mort. Les otages. Tous morts, ouais, forcément. Je crois qu'ils sont tous morts. Ouais, on a pas eu le temps. Ça s'est pas très bien passé, on est désolé. Non, c'est pas grave, hein. C'est pardon. On reviendra une autre fois, peut-être. Désolé, hein, vraiment. Hein. Voilà, ça se pourrait être sûr. On aurait voulu venir discrètement, mais notre hélico a explosé. Alors, si tu veux mon avis, mon cher Fanfan, si je devais émettre un avis. C'est des approvisionnements de fleurs, ça, de grâce, non? Je dirais, ça se trouve, c'est le. Oh! Oh mon Fanfan, viens là! Merde. Attention, je le prends. Et maintenant, prends ce qu'il y a au sol. Et ça va le débloquer. Oh bon, ça, la bon, ça, le M60! Tiens, et prends le sniper parce que tu l'avais pas du coup. Bah, je l'ai moi déjà. J'ai déjà le sniper. Tu l'as celui-là, sniper? Ouais, je l'ai sniper. Ok, parce que moi, je préfère le sniper. Bah, je vais prendre la batterie.
Oh là là, c'est okay. Bon ça. C'est bon ça, madame. Bon, tant pis. Il y a rien d'autre ici. À mon humble avis, ça doit être la zone de combat finale contre John, peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Ah, t'es sérieux? Bah, je ne sais pas. Non, c'est juste un point quelconque. Un poste, mais y a rien du coup dedans, à part. Du coup, prenons un pick-up et barrons-nous, non? Ou une bagnole? Oh mon dieu! Oh là là là. Regarde ce qu'il y avait dans ce véhicule! Oh là là, ce bijou! Oh, ce bijou! Alors, attends, où est-ce qu'on va avec ça? Où est-ce qu'on va avec ça? Je regrette rien! Oh, je regrette rien! Là, par contre, ça c'est beau! Ça c'est beau, Apollo! On pourrait. Église Land of God. Est-ce que tu veux aller à l'église l'agneau de Dieu? Allez, agneau de Dieu. Ou alors, est-ce qu'on fait l'émission, le festival, le tout ça? Non, c'est peut-être? Non, c'est peut-être? Qu'est-ce qu'on a à court terme? Attends, je regarde dans l'émission. On a 2 km. On a 973 mètres. Il y a un convoi armé. On peut le faire. Le convoi. Tu peux marquer? Ouais. Holland Valley. Je le suis. Je le tiens. Allez, conduite automatique. Comme ça, on va être sûr que c'est à peu près safe. Voilà. Et du coup, on peut enjoy le ride. Là, j'ai vu un caribou. Il va falloir absolument, mon cher Fanfan, qu'on s'achète une arme de poing et qu'on investisse dans un silencieux. Je sais pas ce que t'en penses. Oui. Mais ça devrait sauver. Mais surtout, moi, il me faut des points pour un holster supplémentaire. J'ai vraiment besoin d'une arme silencieuse. C'est ça. Moi aussi, parce que j'ai pas encore débloqué. D'ailleurs, j'ai pas mis mes points dans cette version. Il va falloir que je le fasse. Mais mon cher Fanfan, il faut savoir que dans ce jeu, les silencieux ne te rendent pas silencieux en fait. Ça veut juste dire que les méchants vont te chercher. Ils savent pas. Ah oui, mais ça déclenche pas l'alarme. Si, parce qu'ils entendent des coups de feu, tu vois. Ah ok, donc il vaut mieux un sniper et une super coordination. Un sniper silencieux serait l'idéal en fait. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est comme les vrais silencieux en fait. Un vrai silencieux ça ne c'est pas comme Hollywood où ça fait poum 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 poum. Tu sais voilà, ça marche quoi. Non, c'est des conneries. Surtout qu'un silencieux c'est pas très silencieux, donc dans ce cas-là c'est réaliste. Oui bah tout à fait. Oui, si tu veux vraiment la chose silencieuse, mon cher Fanfan, il faut qu'on se serve beaucoup plus des couteaux de lancer. Tu t'en équipes aux grenades et que t'appuies sur le bouton au milieu de la souris, en fait. Mais moi, il marche pas, ce bouton. C'est la conduite automatique! Mais j'y crois pas! Ah, la conduite automatique de Ubisoft! Ok, on descend. Ok, descend. Ils sont très forts. Ouais, la conduite automatique... À 1000 mètres, allez, on fonce tout droit. Ouais, mais 1000 mètres, c'était à 900 mètres tout à l'heure, donc j'ai pas l'impression qu'on avance des masses. Est-ce qu'on peut faire un... Moi, j'y vais tout droit, je traverse la rivière, tu fais comme tu veux. Il y a un avion. Attends, il y a un avion, là. Il y a peut-être un hydravion sur la droite. Va vers le lac, et ensuite... Mais t'as raison. C'est ce que me dit la map, du moins. Il y a un putain d'hydravion. Putain, vivement qu'il fasse jour, parce que moi, j'y vois rien, je vous jure, faut que je ferme mes volets. Une catastrophe. Là. Et on l'écrase sur le camion en sautant en parachute. Mode juste cause. Ouais, attends, il faut surtout que je monte déjà. Voilà, lieu découvert, le quai. On pourra s'y téléporter, c'est cool. Yeah. Allez. Je suis sur la place arrière, c'est toi qui conduis ce coup-ci. Cool. Fais juste. Je sais pas comment ça se conduit, donc bonne chance. Ne tue pas. Accélère peut-être. Et ça devrait suivre ta souris, je pense. Non, je crois pas. Ça marche? Alors attention. Alors doucement. Moi, objectif Fall Guide. Doucement. Prépare-toi à te jeter au parachute, mon gars, parce que on va bien viser le camion. Ouais, on arrive dessus en plus. Tourne un peu à droite, histoire de lui couper la route. Impeccable. Bon bah écoute, on saute dans 3, 2, 1, toi t'es trop proche. Ah, je suis mort. Mais moi aussi. Tu nous as planté contre un arbre. Un con. Bon c'est pas grave. Ah putain, c'est pas grave. On aurait pu faire un tour alors tout simplement. Mais oui mais grave, c'est pas grave. On retentera ça dans tous les cas chers amis dans le prochain épisode. Voilà, de toute façon vous voyez, hein, quand vous voyez la fin de la vidéo qui s'annonçait, vous voyez bien qu'il allait se passer un truc. Voilà.
C'est pas grave. Un fantasme, Raphaël, n'est pas. Mais oui, mais je pensais que t'allais nous mettre plus en haut pour qu'on saute en parachute, mais toi en fait non, t'étais, c'était le mec, il allait, tu sais, la musique d'Easy, ça fond dans les oreilles. Oh putain. J'étais déjà en train de mettre la. Le turban, il mettait tout, enfin voilà, le fantaliban à fond, ben voilà. Ah c'est toi qui conduis là. Et c'est moi qui conduis. Tiens, montre-nous. Non mais je vais conduire de manière plus raisonnable dans le prochain épisode, chers amis, voilà. Je vous aime, allez, des bisous et à la prochaine. Je la laisse finir sa phrase et je coupe, allez-y. Il faudrait voler deux ou trois camions citernes d'Eden's Gate et les rapporter à Fallset. Ça les ralentira et nous, on prendra de l'avance. Voilà, très bien, des bisous.